C'est A2H, retrouve-moi sur la pépite dans l'émission Grand Ref. Yeah. Je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est Fonce d'art. C'est un morceau que j'avais sorti quand j'étais... Il y a 10 ans, pile poil. Ouais, merci. Ça fait 10 piges. Et là, c'est la première fois que j'avais un morceau qui dépassait un peu mon cercle de gens qui connaissent un peu et qui prend une dimension où des gens à droite, à gauche, partout en France, Belgique, Suisse. Du coup, ça a été un premier tournant parce que ça m'a permis, moi, de faire écouter ma musique à des gens qui m'ont proposé après d'aller faire des lives. Je me suis retrouvé sur des séries de concerts et qui étaient cool. On était tous, moi, l'entourage, Joe, Némir et compagnie. Donc ça, ça a été un premier déclencheur, on va dire, Fonce d'art. Après, il y a eu Elle ne veut pas. C'est un autre morceau que j'ai sorti qui a vraiment mis un autre tournant dans la carrière d'A2H parce que... On est passé de trucs un peu entertainment, où je parle de weed, de Fonce D et tout, à aborder des trucs plus premier degré. La rupture, les peines de cœur, la dépression et tout ça. Donc du coup, ouais, ça c'est un vrai tournant parce que je pense qu'il y a tout un public qui écoutait pas du tout A2H et qui s'est dit « Ah ouais, en fait, il fait ça aussi ». Et après, le dernier, c'est Blues parce que là, c'est mon morceau qui a le plus pété et il a pris une dimension de dingue et ça m'a permis aussi d'ouvrir des portes. Ça m'a permis de montrer aussi l'aspect musicien qu'il y a dans ma carrière. Quoi. Et du coup, ouais, ça, Blues a un peu tout changé et puis aussi en termes de d'argent. Hein. Blues, c'est un morceau qui m'a peut-être coûté 300 euros à faire, dans le sens où chez moi, que je suis auteur, compositeur, interprète dessus, je l'ai fait tout seul avec ma guitare. J'ai fait un clip avec juste mes potes, ça nous a coûté 200 balles, et puis le morceau a fait des millions et des millions de streams, donc le ratio, je t'avouerais que on a fait un bon hold-up avec le morceau. Quoi. Ma plus grande fierté, c'est la longévité déjà. Que là, ça fait 10 piges de carrière et ça n'a jamais aussi bien marché, j'ai jamais été aussi motivé. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Je m'éclate à fond, on a plein de victoires, on a fait plein de trucs, j'en ai. Donc ouais, je dirais, c'est vraiment la longévité, ma plus grande fierté. Franchement, j'ai plein de doutes, mais plus des doutes assumés, tu vois. Genre, putain, est-ce que c'est bien, est-ce que les gens vont capter mon truc, d'un coup, je passe d'un morceau de guitare-voix, après, je kick sur de la trap, après, je fais un truc full autotune, R&B, après, je fais un reggae, après, machin. Je me suis dit, est-ce que, genre, je suis pas en train de faire un truc complètement inaccessible? Donc, ça m'a fait douter pas mal de fois, mais les doutes, ils sont graves, utiles. Et puis après, là où il y a des doutes, c'est quand t'as des gens dans ton équipe où tu te rends compte qu'ils sont un peu néfastes ou toxiques et que tu te dis, putain, est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis pas en train d'aller dans le mauvais sens, tu vois, avec les mauvais gens, les mauvaises ambiances. Donc pas mal de doutes, mais que des doutes qui ont été ensuite transformés en power. Quoi. Non, jamais, jamais. Impossible, inenvisageable. Mon plus grand regret, c'est d'avoir des fois perdu du temps à me concentrer, à mettre de l'énergie dans des mauvaises personnes. Tu te dis, vas-y, j'ai envie de rouler avec cette personne-là ou j'ai envie de faire des trucs avec cette personne-là. Et tu mets un peu de toi, tu donnes beaucoup de toi, ton énergie, ton temps et ton love aussi. Et c'est pas forcément utile, en fait. Il y a des gens qui sont pas faits pour recevoir autant. Et des fois, tu perds un peu ton énergie, tout ton power, là, comme je dis souvent, sur des mauvais que trucs. Il y a des gens qui ont pas envie d'avancer, des gens qui te tirent vers le bas, des gens qui t'amènent dans des mauvaises ambiances. Voilà, c'est le truc que je modifierais, quoi. Ça reste les tournées. Hein. Franchement, la dernière tournée qu'on a fait, c'était vraiment une des rares tournées où quasiment elle était sold out sur les 30-35 dates qu'on a fait à travers la France. La première fois où vraiment, tu sais, j'ai vu qu'il y avait vraiment du répondant en face en termes de fanbase. Et quand t'es face à des hordes de gens qui connaissent par cœur tes morceaux, et là, il se passe vraiment un truc, tu vois. Ça serait charbon, hein. Travail. Franchement, le talent, ça sert à rien. Talent, on s'en fout, tout le monde est talentueux. Moi, je connais des gens, à leur échelle, c'est des pépites dans ce qu'ils font. Mais s'ils travaillent pas pour que les gens soient au courant, il va strictement rien se passer. Quoi. Pour moi, le taf, c'est indispensable. Si ton talent, il sert à rien. Le talent, c'est pour se branler chez soi. Quoi. Ça n'a aucune utilité. Ça se ressent, hein, je crois. Hein. Tu vas à un petit concert, tu sais pas trop ce que tu vas voir, et que tu te dis, ah ouais, ce truc, c'est une pépite, je crois que c'est une histoire de feeling, hein, de ressenti. Hein. Je sais pas si ça s'explique vraiment, tu vois, parce que je pense que chacun a ses pépites. Et des gens, ils vont voir un truc, ils vont dire, ah non, c'est éclaté, je déteste. Et t'as le gars d'à côté, il va dire, eh, moi, pour moi, ce truc-là, c'est l'avenir, c'est le gars de demain. Et ça enclenche des débats, des fois, tu vois. Chacun a ses pépites. Hein.
Ouais, bah déjà, c'est pas parce que je le produis, mais le jeune gars qui est signé sur Palace, Josué, je trouve que c'est une pépite parce que c'est un kicker, il a été aussi à l'école, il était avec nous. Voilà, faut savoir découper quoi. Tu vois, chanter par-dessus ton playback en criant dans l'autotune, c'est pas chez nous ça. Il a les codes actuels aussi, tu vois. Après, il y a un truc que j'ai découvert où je trouve que c'est chaud de ouf, ça s'appelle La Fève. Ça, c'est une pépite. J'ai un gars, moi aussi, que je trouve que c'est vraiment une pépite, c'est Bakary, un mec de Liège. Bakary, c'est une pépite de ouf, talent de dingue. Je pense qu'il va péter, c'est obligatoire. Il est trop talentueux. C'est un truc de fou et c'est ma cam, du coup je suis client de ouf. Déjà écouter les gens, ça sert à rien. Après faut pas non plus être snob. Je pense qu'il y a plein de gens, ils ont des analyses éclatées, ils vont être là à dire oui non tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, mais quel est ton domaine de compétence en fait, tu es boulanger ou serveur. J'ai l'impression en tout cas de mon expérience personnelle que beaucoup de gens qui sont pas concernés aiment bien donner leur avis. Après si t'es légitime, si t'es dans la musique, si t'as un peu de bagou, si t'as un petit peu d'expérience, l'avis est bon à prendre, tu vois, faut écouter, faut avoir du recul. Mais il y a plein de gens, ils veulent juste souffler dans ton oreille. Allez vous occuper de vous-même déjà. Vous êtes loin d'être exemplaire, vous voulez faire des leçons aux gens. Ça pour moi c'est un poison ça. Taffer, rester focus sur les objectifs et il faut qu'il y ait du love. Si tu fais ça avec un objectif juste, faire de l'oseille, être connu, faire des placements produits ou ce que tu veux, tu sers à rien frère. Si tu rappes et si tu sais même pas quoi raconter, tu te prends la tête à essayer de trouver une posture, c'est que c'est pas fait pour toi. T'as même pas besoin d'être une Kaira. Hein. Toutes les postures sont possibles, tout le monde a des trucs à raconter, mais si toi tu sais pas, c'est que c'est pas pour toi. Quoi. Donc du coup, ouais, moi je dirais rester focus, avoir du love pour ce que tu fais et travailler.